Dis Sophie, t'es sûre qu'on aurait pas mieux fait de prendre le train? 10 heures de voyage, c'est quand même très long. Bah oui, c'est ça, le train. Avec des inconnus que je ne connais pas, sans parler des odeurs de transpiration. Oh. Oui, d'ailleurs, j'espère que t'as fait pipi, hein, parce que je compte pas m'arrêter. Oui, enfin, si je dois vraiment... Bah, t'auras qu'à faire un nœud, tiens, bah allez. Un nœud? Bah oui. Tu fais ça. Enfin! Bon, on ferait pas une pause là, t'es pas fatigué de conduire? Oh, pas du tout, je suis en super forme, j'ai déjà bu plein de café. Oui, ben moi je dis ça, je dis rien, mais conduire 8 heures d'affilée avec juste une pomme dans le ventre et 3 grammes de caféine dans le sang, je suis pas certain que ce soit très prudent. Ouais, mais tu sais quoi, je préfère que tu ne dises rien. Et puis je te rappelle quand même qu'on a des pizzas, hein. Ah, bah oui, ça, des pizzas surgelées dans une voiture sans four, une grande idée de Madame Pandeville. Non, mais écoute, Sophie, là il faut vraiment que tu t'arrêtes, je peux plus me retenir. Ah, j'ai peut-être pas de four, mais j'ai des toilettes. Bon, enfin, c'est beaucoup trop petit. Et prétentieux en plus. Oh, Sophie! Ah oh, des embouteillages. Tu as encore manqué de nous tuer. Oh, je vais faire pipi. Tiens. Et n'oublie pas de tirer la chasse.